fort, ça m'embête de vous couper dans votre élan. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Agora TV. Et une petite pensée pour tous ceux qui attendent impatiemment la fin de l'euro. L'actualité de la semaine est marquée par la sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Contrairement aux prévisions des experts qui pensaient que c'était l'économie qui allait poser un énorme problème, en fait, ce sont les problèmes politiques qui sont majeurs. Et nous allons tout de suite en Écosse voir ce qu'il se passe. Let me address the issue of a second independence referendum. The manifesto that the SNP was elected on last month said this: the Scottish Parliament should have the right to hold another referendum if there is a significant and material change in the circumstances that prevailed in 2014, such as Scotland being taken out of the EU against our will. When the results were analysed, I realised that the north of England and the people who had most to lose from it were the ones who'd actually caused the results of exiting. And I think it's been because of the way it was advertised. All the debates really centered on immigration. And a whole lot of figures were given that weren't true. And the people who did vote against immigration are also the ones who most to lose by it, because it's older people who are cared for by mostly immigrants. And if they realised that, they probably shouldn't have done it. I think it was probably an optimistic kind of place, and now it's not. And I think the government has not built enough houses, has not put enough money into education and into National Health Service. And poor people are mistakenly reacting against immigration. They think they're taking all the jobs, they're taking all the houses. And I think it's just a big mess. It's going to cause not only the breakup of EU, but it's also going to cause the breakup of Great Britain. And certainly the Scottish Nationalists will use that as much as they can to break away and to have another referendum. For the first referendum, for the independence of Scotland, you voted no? I voted no. Yeah. Why did you vote no? Because I didn't want to break up with Britain. Why not? And now I'm changing my mind. But that's interesting. Can you explain to us your point of view back then and your point of view now? Well, much I didn't like the nationalistic feelings of Scotland. I now like the nationalistic feelings of England even less. So I think if Scotland wants to stay with the EU, then I'll probably go along with Scotland. So it has changed my mind, yes. So it's more important to be part of the EU than being part of the UK? Yes. I'd rather not be allied to England now because of the way they voted. So I think it's been a very clever move from the Scottish Nationalists to use that, yes. But, I mean, the way you say it, I don't think you'd be happy to vote for the independence, but, like, if you have no other choice. I don't think I've got a choice anymore. Or I think it's probably the lesser of the two evils. Mardi dernier, c'était la deuxième lecture du projet de loi El Khomri. Le gouvernement a, comme convenu, utilisé l'article 49.3 pour faire passer en force cette loi. On a essayé de lancer pour toi. La contestation perdure à Paris, où une manifestation s'est déroulée devant l'Assemblée nationale, mais aussi à Crest, dans la Drôme, où des militants de Nuit Debout ont occupé la fameuse tour de Crest, la ville du républicain Hervé Mariton. Oh.
on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Qui est merveilleux avec tous ces collectifs citoyens, ces nuits debout de partout. C'est... On a des gens qui occupent la tour, elle est juste dans mon dos, nos copains on les a vus il y a 5 minutes, on a chanté avec eux, et nous on est là pour les soutenir. On est là pour nous aussi, parce que cette action-là, eh ben, on espère qu'elle porte un vrai message, le message de, voilà, on est définitivement contre la loi El Khomri et son monde, la gouvernance au 49-3 et le flashball, c'est pas pour nous. Nous, on veut la liberté, l'égalité, la fraternité. On veut un monde où tout le monde arrive à vivre décemment et dignement. Et ce qu'on est en train de faire, c'est exactement ça. C'est montrer à quel point on peut être fraternel, unis, ensemble, pour être fort. Et quand on est vraiment ensemble, on est costaud, balèze, indestructible. Et nous, quelque part, cette action, c'est une manière de leur dire que non, on n'est pas en train de s'endormir et on a choisi la tour de Cré parce qu'à Cré, qui est le domaine de M. Mariton, député maire, qui brigue les primaires de la droite pour les présidentielles 2007. Il y a un symbole fort, c'est un lieu où ont été emprisonnés des insurgés, et cette tour, c'était aussi pour reprendre la parole, pour redonner la parole au peuple. Nuit debout toujours, où la contestation continue malgré les aléas météorologiques, et tout de suite de la musique contestataire avec l'orchestre de Nuit debout. Thank you.
quelle est votre motivation pour venir à Orchestre Debout ? Elles sont d'ordre à la fois personnel et politique. Politique parce que j'ai un petit peu suivi le mouvement depuis le début, en contribuant surtout aux mobilisations contre la loi travail. Et personnel parce que ça a été pour moi l'occasion de me remettre à un instrument que je n'avais pas pratiqué depuis un certain temps. Et ça permet de voir que quand on prépare les choses, quand on est beaucoup à préparer les choses en parallèle, on arrive finalement à des résultats qui sont assez efficaces, à mon avis, qui sont assez intéressants. Oh bah déjà parce que c'est une initiative collective vraiment extraordinaire. Et puis je trouve que c'est, parmi tant de choses bien qui sont passées ici, une des plus belles, puis qui a amené tellement de gens sur la place que je ne peux pas ne pas venir. Quoi. C'est fini pour aujourd'hui. Et rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro de Agora TV. Au revoir. Le temps d'enfermement s'agrandissent les plaies.